Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en Ultimate Team du coup sur FIFA 23 pour l'ouverture de mes récompenses Division Rivals, mais également de fin de saison, du coup la fin de la première saison, j'ai envie de dire. Donc on a quelques packs, on en a 5 parce qu'il y en a 2 en plus que j'ouvrirai que au moment de la Coupe du Monde. C'est ces deux-ci, regardez, Power 83+. Brésil, Argentine, Espagne, j'en ai deux comme ça. Mais pour l'instant, ça sert à rien. On attend qu'il y ait des belles cartes spéciales qui sortent au niveau de la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Donc, on a quelques petits packs à s'ouvrir. Ok, on va commencer par le Jumbo Premium. On est parti, les gars, directement, hein, sans attendre. De toute façon, c'est le but. Ok, plus 83. On va voir ce qu'on va avoir. Par héros, c'est pas des bébés du tout. 86 de général quand même. Et Busquets. Eh, il est pas mal ce pack. Hein. Par héros, Busquets, on va voir un petit peu ce que ça vaut sur Fulbin. En 2 speed, du coup, par héros, 16 500. Donc c'est pas mal du tout. Et Busquets, c'est du 8 500. Ok, pas mal. On va revendre tout ça. On va maintenant attaquer le Jumbo Premium Or. Allez. Ok, encore plus 83. Allemand, milieu. Toni Kroos. Mais c'est incroyable. On n'a que des monstres de général. Incroyable. Et ça peut cacher des trucs. Non, pas cette fois-ci. Toni Kroos, c'est dû, les gars. 21 500 crédits. Vraiment, c'est bien. On va partir, du coup. Pour, je sais pas, donc on a ces deux là, il nous en reste trois les gars, pas joueur rare, je pense qu'on va s'en ouvrir un comme ça et après on ira ouvrir le pack joueur rare. Allez, c'est parti, encore plus 83, donc c'est déjà ça, alors c'est 83 piles Asensio. Ok, on va garder les rares parce qu'il y a un défi qu'il fallait que je finisse. J'hésite entre ces deux. On va s'ouvrir. Allez, encore celui-ci, le pack joueur hors prime. C'est parti, du coup, 83 de général. Minimum. 4! Oh là 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 là! Kevin De Bruyne! Mais attendez, pourquoi j'y ai pas pensé? J'ai vu milieu belge. Je me suis dit, putain, mais qui ça a pu être? Kevin De Bruyne. Bon, ça vaut pas autant qu'avant, mais c'est énorme. Incroyable. C'est du 78 000 crédits quand même. Et on a Kovacic juste derrière. Incroyable. Oh putain, mais c'est invendable, c'est vrai. Oh, j'avais oublié ça. C'est invendable. Bon, ben j'ai Kevin De Bruyne en invendable quand même. Ça se refuse pas. J'aurais préféré qu'il soit vendable. Mais bon, on va pas se plaindre, les gars. Franchement, c'est incroyable. Kevin De Bruyne, du coup. 91 de général. Et du coup, on va finir par ce pack joueur rare. J'irai sûrement faire juste un dernier SBC que je vous offrirai en fin de vidéo. Mais on y va pour ce pack joueur rare. Ok, plus 83. Franchement, on a fait un sans faute. Walker, Arnold. Oh, mais c'est incroyable, les générales. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de grands générales? 17 000 crédits Arnold, c'est pas mal. On a Araujo derrière, cette fois c'est vendable, ça fait plaisir. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc écoutez, vu la bonne lancée qu'on a, je vais aller voir si je peux pas vous faire un petit SBC vite fait, bien fait. C'est terminé pour ce pack. Alors, on a un choix, un joueur sur 3, enfin 3 joueurs plutôt, or 82+, on y va. Espérons finir sur cette même lancée. On y va, les gars. Wow, alors là, par contre, putain. La roue a tourné, malheureusement, mais... Putain, pas un plus de 83 général. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Moralement, mais on prend quand même. On prend l'Argentin, ça peut peut-être servir. On va se laisser là-dessus. Franchement, on a une beau pack entre De Bruyne, Toni Kroos. Et j'en passe. Voilà, on les voit. Marché de transfert, Alexander Arnold, par héros,
Busquets, que des grosses notes qui font plaisir. Donc, c'est pas mal du tout comme récompense. Franchement, il y a largement pire. On se laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.